Et là, on a une site d'un entrepôt. Le problème, c'est que l'entrepôt, il risque de se faire piller aussi, hein. Bon, on va déjà gérer le bois de chauffage. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Bon, la population a quand même bien augmenté. C'est toujours ça. Objectif de piège, non, mais je veux pas de piège. T'embête pas avec les pièges pour l'instant. Et on me dit que j'ai presque plus de nourriture. Bah ça serait bien la première fois. Il nous manque des armes à distance, mais on en a des arcs. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? J'ai 23 arcs et à un moment... Faut arrêter, monsieur. Neuf personnes, on va les accueillir. Passer juste à la population requise. On a plus 17 en termes d'or. Est-ce que on rajouterait pas dans ces cas-là? En termes de défense. Ajouter les deux tours sur la porte, bien évidemment. Au moins, on pourra abattre des mercenaires plus rapidement. En tout cas, des pillards. Ok. Ouais, là, ça fait loin, hein, pour aller chercher ça, hein. Faut reconnaître que ça fait loin. Est-ce qu'il faut que je fasse une maison intermédiaire là-bas avant de pouvoir gérer quoi que ce soit? Je sais pas. On va voir si ça se construit ou pas. La sablonnière, on a encore quoi? Encore 1500. Ok. Et le dépôt d'argile ici, on a encore 2900. C'est bien ça. Bon, pour tous ceux qui sont arrivés sur le chat entre-temps, est-ce que vous avez déjà vu du Father's Frontier ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez le jeu ou est-ce que vous n'en avez pas du tout vu ou ça ne vous intéresse pas, c'est possible. Pas du tout. Première fois, mais on part dans 30 secondes. D'accord, ok. Bonsoir pour ce qui aimerait venir me voir sur Valorant. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à vous. Nerkos on Twitch, c'est pas que je suis pas fan de la méthode, mais pas loin. Si tu veux faire du Valorant, c'est tout à ton plaisir. Si tu veux essayer d'avoir des gens, c'est tout à ton plaisir aussi. Mais si tu pouvais éviter de faire de ta pub sur le chat des autres, ça serait tout à fait appréciable. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à ceux qui sont passés. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et passez une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a gîte temporaire, ça c'est bon. De ce côté-ci. La cabane de cueilleur, on va aller chercher. On avait dit qu'il nous fallait plutôt. Voilà, on va aller chercher du saule. On va aller chercher. Oui, hop, on va même faire mieux comme ça. On va aller chercher du saule, des herbes médicinales et des carrés de plantes. Comme ça serait parfait. Et ça va nous apporter pas mal de choses. On va pouvoir stocker ici. Là, je ne veux pas stocker d'or. Je ne veux pas d'or là-dedans du tout. Pour le coup, ça c'est nécessaire. Je veux pas non plus d'outils lourds. Hein. Ça n'est pas nécessaire qu'on en ait là. La poterie, je pense pas en avoir besoin. Ça sera parfait. On aura déjà fait le tri sur ce qui est nécessaire ou pas ici.
On aura une vannerie qui va apporter ce dont on a besoin. Un villageois a attrapé les verbes. Ça, c'est con, par contre. C'est pas vraiment la meilleure des maladies, ça. Par contre, est-ce qu'on ferait pas une petite maison ici? Parce qu'elle a une capacité quand même d'évoluer rapidement. Ou alors je faisais une école, mais l'école c'est 3 par 4. Et là j'ai 1, 2, 3, 4. Ah mais c'est une 4 par 4 ça. Hein. Je crois que ce bâtiment là c'est un 4 par 4. Mais j'ai pas besoin de plus d'école. Et après on aurait le théâtre qui serait pas mal, mais je sais pas la taille qu'il fait. L'apothicairerie non plus. Et la taverne encore moins. On peut se garder cette place parce que là, ça pourrait attraper pas mal de choses. Donc on va se le laisser comme ça de côté. Ah, on peut faire de l'épandage. Merci à toi, Meryl, pour le follow et bienvenue dans la communauté. Bienvenue parmi nous. 60%, non, on va ajouter du compost ici. Peut-être se mettre un deuxième élément de compost parce que c'est vrai qu'on n'est pas si bien que ça. Peut-être un deuxième de compost là. Si jamais. Histoire que... Ah, peut-être non, pas là. Pas là, pas là, pas là. On va le faire sauter lui, oui. Et on va aller le poser plutôt le compost par là-bas. Puisque ça nous permettra de pouvoir... Hop. Pouvoir s'occuper des champs qui vont apparaître par là. Tu as fait un médecin ou pas? On a un apothicaire, enfin on a un guérisseur qui pour l'instant produit des déchets, etc. Qui fait un peu le travail, mais ça prend un peu de temps. Bon, on a du tir à distance par contre, hein. Les quatre portes sont protégées. Par contre, c'est en termes de nourriture, je suis un peu embêté là. Parce qu'il va falloir qu'on gère ça. Votre collègue a besoin de logement pour accommoder. Oui, mais je sais, mais j'ai pas de logement en plus, donc m'embêtez pas avec ça. Et je veux pas forcément de logement en plus, parce que je suis un peu trop léger en nourriture. Le chasseur. J'ai pas de chasse par là? Si. Allez, va chasser par là-bas. Histoire que ça se passe un peu mieux. On a un gîte temporaire au besoin. Le gîte temporaire hein, ne rajoute pas des maisons. Hein, il permet juste... on a un qui est en vieillesse, qui va mourir peut-être de vieillesse. On a 13 enfants en bas âge. Ouf. Je pensais pas qu'on en avait... Peut-être falloir que je fasse une route pour aller jusque là-bas. Ça, hein. On va améliorer cette route aussi parce que ça va s'avérer nécessaire. Ouais, tout le monde est relativement content. Hein. Qu'est-ce que l'on aurait qu'on pourrait envoyer? On va acheminer un peu plus de ça. Un peu plus de savon, la poterie on va en mettre un peu plus aussi. Enfin, peut-être que j'augmente la poterie par contre. Et il n'y a personne qui m'achète du miel et je suis un peu embêté là par contre.
On va vendre un peu de vêtements. Ah, il nous manque juste deux maisonnettes, hein, et on pourrait monter au niveau supérieur. C'est vrai que ça serait intéressant. Hein. Là, il nous manque deux de nourriture, et là, il nous manque un peu... Qu'est-ce qui manquerait? Ça, c'est déjà une maisonnette. Ça, c'est un gîte, il manquerait 30... On va voir si ça, ça marche comme ça veut. Je pourrais peut-être avoir les deux maisonnettes qui me manquent. Et pour pouvoir aller chercher le niveau 6, enfin le niveau 3, pardon, de Kleasimgrad et donc de l'hôtel de ville. Et ça, ça serait parfait. Par contre, il nous faut 1200 d'or. J'ai combien d'or là-dedans? On va acheminer l'or, on va en acheminer pour avoir 1006. Et comme ça, on devrait... Parce qu'après, il faut 100 planches et 100 d'argile. Est-ce que j'irai chercher un deuxième élément d'argile? Le problème, lui, il me... Ah non, lui, il est mieux. Ressources. Argile. Voilà. Ça va coûter un peu, mais... On devrait pouvoir s'en sortir. Par contre, là, les champs, ils sont... il faudrait que je trouve pour augmenter leur... Attendez, j'ai dit... Lui, il fait ça. Et lui, c'est ça. Ah, c'est pas fameux, hein. Je vais peut-être enlever ça. On va lui mettre... Parce que ça, ça augmente la fertilité, donc... Je vais peut-être augmenter la fertilité. Hein. On va augmenter la fertilité. Parce qu'à un moment, on n'est pas bien en fertilité, en fait. Donc il en faudra peut-être un peu plus. On va voir pour que la fertilité soit impactée positivement. Parce que même là, en rajoutant des champs décomposition, on n'arrive pas à gérer la fertilité des champs. Et ça m'embête, ça. Ok, on a des paniers de produits. Donc on va commencer à avoir des ressources dont on a besoin. Lui a été amélioré. Non, c'est toujours un gîte. Et ça, c'est toujours un gîte. Il faut 4 de pierre. Bon, on a de la pierre ici, donc ça devrait être amélioré. Ah, il y a un truc là. Il y a quoi là? Planète moyenne, ça passe pas. On n'avait pas un truc qui fait 2 par 2. Ah mais c'est l'attrapeur de rats. Bah, pourtant il y a bien deux...
Bon, là, trappeur de rats, il fait le travail, mais... Faudra qu'on regarde... Comment ça se découpe, cette histoire? Le gîte, ici. On n'a pas 30. Et là, on n'a pas 30 et on n'a pas deux sources de nourriture. Mais ça m'embête, ça. Pourquoi on n'a pas deux sources de nourriture? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais là, on va pas pouvoir aller à 30. C'est trop bas, là. Ah, il manque plus qu'une maisonnette. Il me manque plus qu'une maisonnette. Ça, c'est quoi? Et là, il me manque un... D'accord, là, il me manque un deuxième, deuxième élément de nourriture. J'ai pas de deuxième truc de nourriture, quoi. Ouais, je suis tellement un peu léger en nourriture que j'arrive pas à progresser. Faudrait presque que j'aille réclamer du... Du poisson, peut-être acheter du poisson et ça pourrait être sympa. Et après, il me faut 100 planches et 100 d'argile. Mais j'y suis pas, hein. Parce que là, je vais utiliser déjà 7 planches. On va essayer de pousser au moins jusque jusqu'au fait qu'on ait ce qu'il nous faut en termes de ressources, ça serait bien. Pour pouvoir au moins monter l'hôtel de ville, lancer l'hôtel de ville niveau 3. Ça me plairait parfaitement. Là, il me manque une cabane, quoi. Là, je sais pas ce qu'il faut. Là j'ai ce qu'il faut, mais il me manque. Ouais, en fait, si ça je le mets en priorité. Je devrais pouvoir avoir ça qui va évoluer. Et ça va me piquer des planches. Et j'ai un marchand qui débarque. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose, non? Qu'est-ce qu'il lui manque? Pourquoi il se casse la gueule comme ça? L'attrait, c'est quoi? C'est G. Ah, c'est ça qui joue un peu dessus. Ouais, là, ça pose problème. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose là-dessus. Hein. Après, il va falloir que j'améliore les routes. J'ai amélioré pas mal de routes, mais il y a celle-là qui est améliorée encore. Je vais regarder quand même une chose. J'ai qu'un bâtisseur sur 8. 28, 29. Et j'ai 14 gars qui foutent rien. Donc, c'est que j'ai pas tant de construction que ça en cours, en fait. Mais il me manque une construction. Alors, ici, je peux importer des haricots. Est-ce que ça vaut le coup d'apporter des haricots? Oui. J'en ai pas, on va en importer... On va stocker et acheminer ça. On va lui vendre ça. Lui vendre ça aussi. Et qu'est-ce qu'on peut importer que... Après, pas tellement plus. Hein. Le reste, on le produit, donc ça m'intéresse pas. Ça, on va l'enlever, par contre. On va l'enlever. On va mettre ça à la place. Parce qu'il faut que je augmente la fertilité de mes champs. Clairement, ça va pas.
Et on va faire ça. Essayer de remonter la fertilité des champs quand même. On va voir si ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher prédateur repéré? Est-ce que je peux le taper là ou bon, je sais pas où va l'ours, mais l'ours il va. Lui il a été abattu. Ok. On va dire que c'est pas trop mal. Toi tu vas chercher là. Oui, mais j'aimerais en fait que tu me dégages tout ça, vraiment. Il me manque une cabane, hein. Celle-là. Il manque un deuxième truc de nourriture. Parce que pour l'instant, il n'y a que de la bouffe. Il n'y a plus rien même. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Rien qui est intéressant. Ah, marchand 2. Marchand 2. Bah déjà, tu vas nous acheter la poterie. Tu vas nous acheter... Ça, c'est pas mal. Tu vas pas nous acheter... Ah, c'est vrai que j'avais ce qu'il fallait en termes de ressources ici. On va racheter peut-être... Bah non, on a assez de nourriture comme ça. On a de la pierre. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il pourrait vendre... Rien d'intéressant pour nous en fait. Il n'y a pas mieux pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Il y en a un qui a de la nourriture à vendre ou comment? Ça, hein. On va stopper les flèches un peu quand même. On va stopper les flèches parce qu'on a beaucoup trop. 700 de flèches, il y a un moment, faut pas abuser quoi. On va pas faire plus de flèches que ça. Y a pas de nécessité, là j'ai trop de flèches. Je sais que pas de nourriture. Ça m'embête ça. Alors que j'ai besoin justement de nourriture pour faire améliorer mes bâtiments. Et j'aimerais bien l'améliorer ça. Et on va accepter les flèches ici. Parce que là, je veux pas tant de flèches que ça. J'ai pas besoin d'autant. Et comme j'ai pas de tonneau, ça m'aide pas. Accélère un petit peu. Ils n'ont pas accès à l'eau. Ou en tout cas pas autant d'eau qu'ils voudraient.
Comme ça, au moins, on devrait se permettre de faire des choses en mieux. Parce que j'aimerais bien pouvoir monter mes murs en pierre, histoire que ça tienne un peu mieux. Tout ce que j'ai fait. Ensuite, ah, pour une baraque quoi. Il faut que je gère la nourriture. Pire, c'est que j'arrive pas à stocker. On pourrait améliorer le sentier, oui, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux là. Parce que ça aussi, on pourrait l'améliorer, celui-là. Il est important. Celui-là va être important parce que j'ai besoin d'aller là-bas aussi. J'ai pas assez de bouffe. Ok, on a quasiment fini le chemin pour aller jusque là-bas. Mais ça fait loin, ça fait tellement loin pour aller chercher juste du minerai de fer. C'est monstrueux, hein. Déshydratation, bah ouais, forcément qu'il y a de la... Ah oui, d'ailleurs, faut que j'y pense. Ça, c'est une erreur de ma part. J'ai pas fait... Alors, attendez, hop, on va se remettre là. Et il faut penser à mettre des de quoi boire proche des différents machins. Parce que si je le fais pas, forcément déshydratation. Et ça, c'est prioritaire. Très prioritaire, ça. Il y en a qui vont nous demander à loger. Là, on a tous ces gens-là qui vont nous demander de loger. Et on ne peut pas... Pourquoi j'arrive pas à avoir de la nourriture dans mes... Ok, là j'ai assez de bouffe. On va bien arriver à aller à faire quelque chose, non? S'il vous plaît. Allez, t'as bien un deuxième truc de nourriture, s'il te plaît. Ok, c'est en train de s'améliorer, on va avoir la dernière maison. C'est bon. Pouf. Pas évident, pas évident, mais... Il y a du déchet qui se traîne un peu. Là, on a 9% en collecte, d'accord. Et là, ok. Donc les deux collecteurs pour l'instant ont l'air de faire le travail. Donc là il nous manque 100 d'argile. Donc je vais libérer l'argile que j'ai ici. On va faire même comme ça. Histoire qu'on ait bien ce qu'il faut. Et on peut améliorer l'hôtel de ville pour le passer au niveau 3. Par contre, en termes de nourriture, bon, il y en a un qui est mort de maladie. Pas de chance pour lui. Il faut 950.
Transférez-moi de l'or dans les trucs. Alors on va faire un peu le tour des bâtiments. Là on a l'attrapeur de rats. Là on a notre apothicaire qui est ici, qui est en train de faire les soins. La place forte qui protège notre or. Notre salle de marchand qui est en train de déplacer tout ce dont on a besoin. Elle est pas mal notre petite ville, hein. On a quelques monuments. On a quand même des ressources, hein, pas mal de poterie, un peu d'aliments, etc. Du lait, du fromage. C'est bien. D'ailleurs, on en est où en termes de... taux de naissance 2 par an. On est à 8 sur 10 pour la population. Donc on aura peut-être 2 naissances prochainement. Donc on va laisser construire l'hôtel de ville et puis on s'arrêtera là, je pense. Enfin, on va laisser une petite dizaine de minutes, histoire que je puisse avoir un épisode complet. Mais après, on s'arrêtera là. Histoire de... Oh purée, il y en a qui est mort juste à la porte, quoi. Allez, il nous manque plus que 8 d'argile. Oh, ça va, la grippe. Pas abusé non plus, quoi. On arrive à avoir quand même un peu de... Ouais, d'accord, on a énormément de bois, par contre. Et il va falloir qu'on aille chercher... très certainement, il va... Ouf, il est rétabli, en plus. Il va falloir très certainement qu'on aille chercher... Mais s'il faut qu'on aille là-bas au fond, ça fait loin, hein. Sumac. Est-ce qu'on a mieux ici? Je vais faire une petite pause. Ça fait loin aller chercher certaines ressources, hein. Ça c'est du légume vert. Pas vraiment de chance, hein, sur les recherches. Des légumes, du sable. C'est vraiment pas fameux, hein. On a du charbon, mais... C'est tellement loin, tout ça, que... Ça n'a pas trop d'intérêt d'aller d'être cherché, presque. Ah bah, il est beau, notre hôtel de ville niveau 3. Bon, la porte est un peu branlante encore, mais... Déjà là... Ça accueille du monde, quoi. On est sur... ouais, sur un truc, quoi. Alors, par contre... on va pouvoir améliorer tout ça, mais ça demande énormément de pierres. Qu'est-ce qui serait intéressant? Oh, bah, on va déjà regarder ce qu'on peut construire. Avant de faire ça. Alors, si on prend service infrastructure, maintenant on a la taverne. À la taverne, on trouve le patron qui sert de la bière aux villageois en mal de boisson. Les tavernes sont une source de divertissement et de revenus fiscaux basés sur la quantité de bière vendue. Prenez garde, la bière et les fréquentations à la taverne contribuent certes au bonheur des villageois, mais ceux qui s'adonnent trop à la boisson peuvent devenir violents. Ok. On a l'apothicaire, mais il nous faudra un hôpital avant. Et on aurait le théâtre. Et ça demande 20 par mois. Putain, c'est cher. En stockage, c'est tout durant 2 maxi. En ressources, on a maintenant l'atelier de meubles. La brasserie. La fonderie. La forge.
La briqueterie. Et la verrerie. Avec du sable, notamment. On va peut-être fabriquer, avant tout, dans ces cas-là, le four à charbon. Qui, lui... Alors, par contre, il est vraiment pas top. On va le garder loin.